Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous faire du bien. Vous savez, Dieu m'a déjà mis à cœur de beaucoup prier, de donner l'enseignement ce matin. C'est pour cela que j'ai donné l'enseignement. Yeah.
Reçois la délivrance au nom de Jésus.
Alléluia. Qui ont dit que j'avais un problème d'esprit de vol, beaucoup de choses bizarres que les gens que tu voyais à terre tout de suite, j'avais un esprit bizarre comme ça que je voyais sur toi. Il faut qu'on chasse ça de ta vie. Je sais pas, c'est tellement. Comme allez, 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 allez. Que Dieu te délivre de cet esprit. Que la puissance de Dieu te délivre de cet esprit. Que Dieu te délivre. Yo, my yo.
Mais aujourd'hui, comment
Thank you.
Depuis le sein de ta mère, qu'elle t'appartient. Mais comment elle est rentrée en elle? Comment tu es rentrée? Comment tu as pu la récupérer? Elle a toujours sa pensée. Comment tu as pu la récupérer? Et qu'est-ce que tu as fait d'elle? Qu'est-ce que tu as fait avec elle? Je m'adresse à toi. Qu'est-ce que tu as fait avec elle? Depuis le sein maternel, donc elle est née avec, c'est ça? C'est ça? Elle est née avec. Ok. Qu'est-ce que tu as fait avec elle? Quels sont les dégâts causés avec elle? Tu as fait quoi et quoi? Tu me l'expliques maintenant même. Tu m'entends? Parce que tu vas partir. Tu vas partir. Tu as été dévoilé et tu iras au nom de Jésus. Amen. Tu iras au nom de Jésus. Amen. Tu iras au nom de Jésus. Amen. De Nazareth. Tu m'attends? Tu as fait quoi et quoi? Quels sont les dégâts? Je le mets là. Ce qui est sûr, c'est que tu quitteras ce corps. C'est depuis le sein maternel, c'est ça? C'est ça? Depuis le sein maternel. Hein? Que tu es rentré en elle. C'est ça? Depuis le sein maternel, que tu es rentré en elle. C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pourquoi? Elle t'appartient. Elle t'appartient comment? Elle t'appartient comment? Elle t'appartient comment? Je m'adresse à toi. Tu me parles au nom de Jésus. Elle t'appartient comment? Tu vas quitter sa vie? Tu vas quitter sa vie. 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 Tu as déjà fait trop de dégâts. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Tu as fait quoi et quoi? Tu as fait quoi et quoi? Femme! Je détruis ton pouvoir. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Puissance de la sorcellerie. Je détruis ta vie. Je détruis ta vie. Je détruis ta vie. Je détruis ta vie. Au nom de Dieu. La puissance de Dieu. Et si c'est manifeste en elle, c'est l'esprit de la sorcellerie. Effectivement, on n'a pas pris ça ailleurs. Effectivement, quand il dit, c'est depuis le sein maternel, effectivement, c'est depuis là
qu'elle a été initiée par l'esprit de la sorcellerie. C'est plus fort qu'elle, parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts autour d'elle. Beaucoup de dégâts. Là où elle part, c'est gâche. Là où elle part, c'est gâche. Et cet esprit l'anime aussi sa mère. Mais Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. C'est un ange. Maintenant même, tu pars. Maintenant même, tu pars. Maintenant même, tu pars. Tu m'entends? Toi, c'est à toi que je m'adresse. Toi. C'est à toi que je m'adresse. Tu vas quitter ce corps maintenant. Tu vas quitter ce corps. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Pousse tes derniers cris et tu pars. Pousse tes derniers cris et pars. Je t'envoie dans les lieux arides. Maintenant même. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je t'envoie dans les lieux arides maintenant. Tu pousses tes derniers cris et tu pars. Je t'envoie dans les lieux arides et maintenant même. Tu m'entends? Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Va-t'en. Va-t'en. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus te libère. Touchez-la, la libérer au nom de Jésus. Amen. Nous levons tous les mains comme ça. Nous levons tous les mains. Je priais pour tout le monde. Nous levons les mains. Nous levons les mains. Réclame la grâce de Dieu. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Que Dieu vous visite, que Dieu dans sa souveraineté, dans sa souveraineté, que Dieu dans sa souveraineté vous visite, que Dieu dans sa souveraineté vous soutient, que Dieu dans sa souveraineté vous accorde la délivrance. Que Dieu, dans sa souveraineté, intervienne pleinement dans votre vie. Que Dieu, dans sa souveraineté, intervienne pleinement dans votre vie. Que Dieu, dans sa puissance, intervienne dans votre vie. Que Dieu, dans sa souveraineté, intervienne pleinement dans votre vie. Levez la main, commencez à prier. Levez la main, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à briser. Votre nom. Les Canaries, dans lesquelles ils ont dit vos noms. Le pouvoir de la sorcellerie familiale. Le pouvoir de la sorcellerie familiale. Prophétique. Il y a quelqu'un le prophétique. Amen. Laisse-moi un peu réveiller votre foi avec la parole de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 17. Pardon, tant pour moi. Chapitre 12, 2, le verset 17.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Dis la manne cachée. Dis à quelqu'un la manne cachée. Amen. La manne cachée, c'est cette nourriture, la manne, c'est cette nourriture que Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert. Quand ils mangeaient de la manne, c'était comme de la protéine qui les aidait à marcher. La Bible dit la manne cachée. Ça dit ta bénédiction là. Le diable a tout fait, mais il y a une bénédiction qu'il a cachée. Dieu a caché une bénédiction. Il dit, je donnerai de la manne cachée. Cette bénédiction que Dieu a réservée pour toi, il dit, il va te restituer, il va te les donner. Amen. Donnerai de la manne cachée. Amen. Amen. Et je lui donnerai un caillou blanc. Si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Amen. Amen. Un nom nouveau que personne ne connaît. Dis Amen. Amen. Certainement les sorciers connaissent ton nom. Amen. Amen. Ils ont fait de ce qu'ils veulent de ton nom. Dieu dit, le caillou, vous savez, la pierre, c'est ce qu'on prend pour briser le diable. Amen. Amen. Vous savez qu'on fait des serpents, ça c'est n'engage que vous. Moi, je n'ai pas peur des serpents. Quand il voit serpent, il veut le tuer. Amen. Amen. Je dis, ah, c'est ça qu'il a dit Pierre. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais ton nom sera Pierre. C'est cette pierre-là que tu vas prendre pour briser le serpent. Amen. 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 Donc Dieu te donnera une force. Il fera de toi une pierre. Mais en te donnant une identité, un nom nouveau. Et ce nom nouveau-là, c'est la fécondité. Dis Amen. Amen. Ce nom nouveau-là, c'est la prospérité. Amen. Ce nom nouvel-là, c'est le travail. Amen. Ce nom nouveau-là, c'est l'élévation. Amen. Ce nom nouveau-là, c'est la guérison. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. 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 Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Pendant que tu entends de dire Amen, je reçois, dans ta famille, cette pierre en train de briser. Amen. Le canari dans lequel on avait caché ton nom. Amen. Le canari dans lequel on avait caché ton nom. Amen. Dieu en train de briser ce canari. Dieu en train de briser le canari de la sorcellerie familiale. De la sorcellerie familiale. Les semaines. Les soirs. 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 Les semaines. Les semaines. Les semaines. Les semaines. Les semaines. Allez. Tu qui dans ce canari? Qui dans ce canari? Qui dans ce canari? Recevez. Amen, amen, amen. La puissance de Dieu. Amen. Là où ils ont caché ton nom. Amen. Dans l'endroit où sont allés mettre ton nom. Amen. Dieu brise ce canari. Amen. Dieu brise ce canari. Amen. Celui qui est la base de ta maladie. Amen. Que la maladie retourne à son temps. Amen. Que la maladie retourne à son temps. Amen. Que la maladie retourne à son temps. Amen. Tu reçois le miracle de Dieu. Amen. Tu reçois le miracle de Dieu. Amen. Tu reçois le miracle de Dieu. Reçois. 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 Le Saint-Esprit en train de briser le canal. Le Saint-Esprit en train de briser le canal. Le Saint-Esprit en train de détruire ce canal. Le Saint-Esprit en train de détruire cette vie. La sorcellerie familiale. Le pouvoir. Et le règne de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Recevez. Pendant que tu lèves la main, le Saint-Esprit te touche. Je n'ai pas dit Amen, je reçois. Moi, je n'ai pas dit Amen, je reçois. Je libère ton travail. Amen. Je libère ton travail. Amen, je reçois. Je libère tes finances. Amen, je reçois. Je libère. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.
fait des affaires. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La main de Dieu veut briser. La main de Dieu brise. Le pouvoir des ténèbres sur votre vie. Le pouvoir des ténèbres sur votre vie. La main de Dieu veut briser. Vos noms seront pris dans leur canal. Vos noms ne seront plus dans leur canal. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit Dieu te donnera un nom nouveau qui ne connaissent pas. Amen. Dieu est en train de changer ton identité. Amen. Dieu est en train de changer ton identité spirituelle. Amen. Il est en train de transformer ta vie. Il est en train de changer ton identité. La puissance de Dieu. En train de changer ton identité. En train de changer ton identité. En train de changer ton identité. La puissance de Dieu. Recevez le miracle. Là où tu es, le miracle descend jusqu'à toi. 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 La puissante main de Dieu. Là où la sorcellerie avait caché vos noms, Dieu brise ce canari dans le nom de Jésus. Dieu vous débarrasse de ces canaris aussi. Le jour où Pharaon a refusé de laisser partir le peuple d'Israël, il avait signé son décret de mort. Pour tous ceux qui ont comploté votre destruction, Dieu te libère au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Jésus-Christ te libère. Maintenant. Jésus te libère. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te libère. Au nom de Jésus. Je libère toutes tes finances. Je libère toute ta vie. La grâce de Dieu te libère aujourd'hui même. Tu vis ta délivrance. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois ton miracle. Là où tu es. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Lâchez sa vie. Vous libérez totalement sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Vous libérez totalement sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus te libère. Jésus-Christ te délivre. Maintenant, Jésus te délivre. 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 Recevez, reçois la grâce de Dieu. 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 Reçois la puissante main de Dieu. Reçois la puissante main de Dieu. Reçois le miracle de Dieu.
Une onction de victoire, une onction de grâce de l'Éternel, et que en jetant ses pierres, que la tête de Goliath soit atteinte, amen. Que le Goliath de ta vie soit atteint, amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La prière a un grand rôle dans le combat spirituel. Je reviendrai aussi cette révélation. Amen. C'est pour ça que moi, vos parents dans le village, si vos parents veulent enterrer, si vous voyez un parent dans la famille, vous j'ai enterré un rocher dans la cour, ça veut dire qu'ils ont fui vos bénédictions dedans. Amen, amen, amen. Si vous avez remarqué dans la vie, on dit non, c'est un truc ou c'est pour la famille. Vous voyez une pierre, vous êtes mort. Dieu ne joue pas avec la pierre, c'est trop symbolique. Pourquoi Goliath, David ne prend pas autre chose que la pierre. Pourquoi? Et puis, sélection, il va prendre 5. Le chiffre 5, on peut écrire victoire dedans, n'est-ce pas? C'est 5 lettres. Mais encore, on peut aussi écrire 5, les chiffres de Jésus, les 5 lettres de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous dites, les chiffres sont importants dans l'action prophétique. Quand Dieu a dit à Naaman, va, je les ai dit, va manger 7 fois. Le chiffre 7, c'est vraiment important. Dans l'action prophétique, ce sont les actions qui sont trop rapides en matière de combat. David dit, tu viens, moi je vais prendre une pierre pour te tuer. Il était tellement protégé et tout ça, mais la pierre le brisait. Nous sommes dans un monde spirituel. Souvent les gens pensent qu'on est fou, on est, ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas de sens. C'est comme ça, les choses de Dieu sont une folie aux yeux du monde. Vous m'êtes fou pour les choses de Dieu. Ok, donc cette pierre, vous prenez la pierre. Tout à l'heure, quand vous sortez, ça va dépendre de là où vous voulez être. Mais en tout cas, ne rentrez pas à la maison sans avoir fait ça. Amen. Pourquoi vous allez partir à la maison avec ça? Amen. Amen. Vous prenez une pierre, vous parlez, vous dites là où il y a le canari, vous m'ont mis mon nom là. Puis mon nom, quand on voit ça, on voit ça en gnéni gnéni. Et il y a quand on dit le nom, et puis mon nom, là, j'en mange pas. Et puis les choses sont bizarres dans ma vie là. Je prends cette pierre, je brise. En lançant ça, sans qu'elle ait brisé ça. Amen. Une fois, Amen. Deux fois. Tu parles, tout ce que tu as envie de dire, si c'est là, ma chance, si c'est ma bête, tu prends les 7, tu lances une fois, deux fois, la 7e fois, tu dis maintenant la même. Là, c'est la dernière pierre et je proclame ma victoire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Je reviendrai avec les actions prophétiques. Amen. Alléluia. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce qu'on est en plein, on en direct. Les secrets, ce n'est pas tout le monde qui doit connaître. Amen. Oui, il y a des choses, non. Amen. Il y a des choses pas partagées aux gens. Amen. Ce n'est pas bon pour eux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas bon pour eux. Ça, là, c'est trop dangereux. Si tu n'avais pas pris la clé, il allait te demander de faire quelque chose. Prie la même allait depuis le matin. Amen. Il y a des actions prophétiques, c'est très dangereux. Amen. Amen. La pierre. Je vais revenir encore là ce dimanche prochain. Je vais vous expliquer l'action avec les pierres. Je vais vous expliquer ça. Nous, on est dans les actions, on est dans la prophétique, on croit prophétique. On est dans les actions prophétiques. On ne s'amuse pas avec ça. Amen. Que Dieu bénisse, vous asseoir. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Là, chacun va attaquer son camarade. N'attaque pas. Je vais terminer avec une famille. On aura l'occasion, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Hein. Je n'ai pas fini avec vous. J'ai fini avec le guide, mais je n'ai pas fini avec vous. Voilà. Je vais finir avec vous tout à l'heure.
va. Il faut qu'on finisse vite. C'est important. Ça va la famille. Monsieur n'est pas venu. Sagesse et l'intelligence parce que je voulais que la famille se mette ensemble. Moi, mon travail, c'est de mettre les gens ensemble, pas pour les diviser. Sinon, je sais beaucoup de choses. Quand je vous disais la dernière fois, quand vous dites que vous me connaissez, je vous ai dit je vous connais. Et bien même, parce que je vous ai dit plusieurs fois. Et nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'avancer dans un processus pour mettre la famille ensemble. Pour que demain, vos enfants n'aient pas peur de vous, qu'ils soient en mesure de parler avec vous, vous également. Et ce travail-là, que Dieu m'a mis à cœur de faire. Voilà, de cœur à cœur. Sinon, vous n'êtes pas épargné. Le problème de sorcellerie, ça part dans vous. C'est pas quelqu'un d'autre, ça part avant de vous. Et ça, je le sais, je suis conscient et vous le savez. Et heureusement, vous soyez venus aujourd'hui ici. J'ai pris mon temps de bénir des gens, de bénir certaines choses, c'était mon devoir, moi, de le faire. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a orienté. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans la chair. Moi, quand je dis, j'ai vu, je vous ai vu plusieurs fois, je ne suis pas en train de m'amuser. Et je savais qu'un jour, on allait se rencontrer à l'église ici. Ça, j'étais convaincu. J'étais convaincu, à plus de qu'on devait juste se voir et parler comme ça. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous changez. Mon souhait devant Dieu, c'est que vous changez. Et que vous repentez, et que vous changez de position, et que vous revenez véritablement dans le Seigneur. Sinon, vous n'êtes pas avec Dieu pour le moment où je suis en train de parler. Mais dis l'Esprit de Dieu, tu le sais et je le sais. Je suis heureux que les enfants soient assis près de vous. Je suis dans la joie. Et Dieu aussi est riche. Je vois ça. C'est pour cela que la dernière fois, il y a certaines choses sur lesquelles je n'ai pas voulu toucher, parce que c'est un sujet très sensible. Mais en même temps, je ne pourrais pas me taire aujourd'hui. Ceux qui ne vont pas vouloir sortir dedans, dans ce que nous sommes en train de faire, ne vont pas finir l'année 2018. Et ça, vous êtes déjà averti. Il y a eu tellement de choses. Et si je vais toucher quelque chose, je vais tellement jusqu'à le loin. C'est la chose vient de toi, ça ne vient pas de quelque part d'autre, ça vient de nous. Il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas envie de trop rentrer comme détail, mais pour vous dire, mais dis Dieu que je sais dans toute cette vérité. Mais demandez-vous de vous répandre. La position que vous avez actuellement n'est pas bonne. Répandez-vous pour que la famille se mette ensemble, pour que Dieu puisse davantage te bénir. Venez quand vous venez pour tout le monde.